Hey, salut à tous et à toutes, c'est Lavex. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va voir un petit tuto comment mettre n'importe quel fond d'écran de ce style sur PS4. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Donc c'est parti. Donc pour commencer, il va falloir vous rendre sur navigateur internet. Voilà. Ensuite, sur la barre de recherche, vous allez noter Google. Donc on attend que ça charge. Voilà. Ici, on va mettre Google. Donc tac. Hop là. Ensuite, on a un grand écran. Ensuite, une fois qu'on a tapé Google, on va cliquer dessus. Et là, par exemple, si je veux un fond d'écran Naruto, je vais noter tac, bah, fond d'écran Naruto. Hop là. Ensuite, là, on aura plein d'images de fond d'écran. On aura plein de fond d'écran. Donc, important, il faut pas prendre par exemple un fond d'écran qui est allongé. Enfin, un fond d'écran droit. Donc, ces fonds d'écran là, c'est plutôt pour les téléphones. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt prendre des fonds d'écran allongés. Donc, je vais vous montrer. Donc, il faut plutôt des fonds d'écran allongés, style ça. Par exemple, voilà. Si je veux prendre celui-là, je clique dessus. Ensuite, j'ai plusieurs fonds d'écran. Donc, on va voir. Par exemple, celui-là, il est vraiment stylé. Et voilà. Donc, là, l'image, elle est en grande. Ce que vous allez faire, vous allez presser sur le bouton Share de votre manette. Donc, le bouton. Ici, ça veut pas faire le focus, mais bref, le bouton de gauche, donc le bouton share. Ici, on presse dessus. Et ensuite, vous allez presser triangle pour enregistrer la capture d'écran. Voilà. Ensuite, vous allez retourner sur le menu et aller dans galerie. Ensuite, une fois dans galerie, vous allez avoir toutes vos captures d'écran et vos vidéos. Nous, on va aller dans tout. Ensuite, ici, on a la capture d'écran. Donc voilà. Et ce qu'on veut faire... Pour la mettre en fond d'écran, on va presser sur le bouton option, donc tac, option, et ici définir comme arrière-plan. Voilà. Ensuite, avec le joystick de droite, on peut zoomer. Hop là, et avec le joystick de gauche, on peut recentrer. Donc hop là, par exemple, tac, voilà. Là, c'est pas mal. On peut même descendre pour qu'on voie un peu tout. Donc hop là, tac. Voilà, là, c'est pas mal. Du coup, on enregistre. Ensuite, ici, on a estompé, donc c'est juste en haut. On peut voir que ça devient plus foncé ou non. Ça dépend les personnes. Ensuite, voilà, vous mettez appliquer. Tac. Et ensuite, voilà, vous retournez. Et là, vous avez votre fond d'écran. Donc voilà, vous avez vu que c'est vraiment très très simple à réaliser. En plus, on a plein de choix. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Navex. Allez, bye tout le monde.